La transition malienne met le Mali sous le toit de l'Afrique et du point de vue économique. Cela en plein embargo, s'il vous plaît. Ce qui était impensable il y a de cela quelques années est une effectivité aujourd'hui. Le Mali retrouve sa place de leader de production de coton sur le continent africain. Pour mettre la cerise sur le gâteau, les producteurs agricoles, pour fêter l'événement, ont exigé et obtenu la présence du premier responsable de la transition, son Excellence Assimi Goïta, chef de l'État à Koutchala, la capitale de l'or blanc, qui, bien volontiers, a tenu à venir communier avec ces hommes et femmes qui ont mouillé le maillot afin de rendre possible les 760 000 tonnes de coton fibre, s'il vous plaît. Tôt, le matin du samedi 19 mars 2022, un hélicoptère militaire avec à son bord un passager très spécial se posa près de la base militaire de la ville. Une traditionnelle bienvenue souhaitée au président et à sa délégation. Membres du gouvernement, du CNT, autorités administratives et coutumières, ils étaient nombreux à la réception de la délégation. Après un halte pour saluer les couleurs nationales, le colonel Assimi Goïta, bien campé à l'arrière d'un pick-up blanc, souffra son premier bain de foule, comme pour montrer sa reconnaissance aux populations de Koutchala, sorties en grande pompe pour l'accueillir. Une mention particulière pour les jeunes qui ne sont pas restés en marge de cet accueil spectaculaire. Des rues joncées de personnes pour l'accueil du chef de l'État et de sa délégation, des pancartes brandies en l'air émaillées des photos du colonel Goïta, des messages de bienvenue, des remerciements pour l'augmentation du prix d'achat du coton graine, mais aussi de soutien à la transition malienne et à ses autorités pour le retour du Grand Mali. Et la montée en puissance de la filière coton en est la parfaite illustration. Cette production cotonnière record de plus de 760 000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022 a été possible grâce à l'anticipation des autorités de la transition malienne, mais également l'apurement des arriérés de paiement aux acteurs de la filière coton. Du coton fibre emballé dans des sachets bleus exposés dans la cour de l'usine d'égrenage de la CMDT de Koutchala, à perte vue. Ici, on peut constater le colonel et sa délégation regarder de visu le travail remarquable effectué par les paysans pour que l'or blanc du Mali puisse retrouver la place qui lui est sienne en Afrique. Toute chose du reste matérialisée par l'ouverture d'un nouveau corridor d'exportation pour atténuer les effets de la sanction CEDEAO UEMOA prise contre le Mali. Après quoi, le chef de l'État a mis cap sur le grand stade de Koutchala où des milliers de nos compatriotes avaient déjà pris d'assaut les tribunes et attendaient à bras ouverts la délégation présidentielle pour une cérémonie d'envergure marquant la fête du coton. L'expression populaire était à son paroxysme quand Assimi, accompagné de ses plus proches collaborateurs, faisait le tour du stade pour saluer les populations venues massivement. Dans leur prise de parole, les représentants des autorités administratives et traditionnelles de la ville ont salué le président Assimi pour sa présence symbolique à cet événement, mais aussi pour ses efforts ayant permis de rehausser l'éclat du secteur cotonnier au Mali. Au ministre du Développement rural, Modibo Keïta, de saluer les résultats de la production de cette année, malgré de nombreuses difficultés. En dépit du déficit des pluies et de leur mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace au cours de l'hivernage passé, les prévisions de production de la campagne 2021-2022 s'établissent à environ 760 000 tonnes de coton graines avec un rendement de 1055 kg par hectare, contre seulement 156 400 tonnes de production et un rendement de 967 kg à l'hectare la campagne précédente et plus de 2 millions de tonnes de céréales sèches. La campagne de commercialisation et d'égrenage 2021-2022 est en cours depuis le 14 octobre 2021. Les cadences journalières d'égrenage ont atteint le pic record de plus de 6 000 tonnes. Quant à la qualité, la filière coton enregistre à cette date 78,75% de grade de tête sur une prévision de 77,41%. Les mains posées sur le pupitre, s'exprimant en langue nationale bambara,
Le président Goïta, après avoir félicité les acteurs du coton, a appelé l'ensemble des populations à l'union sacrée autour du Mali. Yanitje, Tchepolo! Koresana ou Munkeni, ni misali de Kaira, Malian Bela, Kafo Malian Be, Ame Malikram Nofe, Ateta, Anga Kobauke, Ateta, Anga Koke, Malamboure, Komungono, Malanga Srobe Komungo, Uga Erebe Komungo, Kombe Malijamana Tanye, Ode Malikurai. Kafo Koresan Lanyona, Katla for Malian Beyona, Niko Ere, Eretita, Geleako, Amara Nyanyebe Jamana Jamanana, Kamara Nyebufe, Mogore Sona, Kageleakun, Mogore Sona, Kakonokun, Mogore Sona, Usara, Mogore Sona, Dojogina, Muyato, Ukomoro, Eresoro, Ube Erela, Uga Jamana Tobatmafo. Don't buy enough, Kore Senelao, Alibi Gelamba, Alinjonche, Aga Gelam, Vilika, Boim Biduena. Bembalambe mwanchaga bembala wili kabwe pe 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 ukuma kana fobli gouvernement ka lanyini folo folo kana ni basike jamana ko nabe fuma ko sécurité oui rasuni for the sécurité sapeur pompier be fa betin o be ka baradi mais bara ateta jigya ko rasu u jigyu ka population ni alibi amba ni population fe ugo ka armée Uga Srasu, Uga Polisu, Gardu, Ozofero, Saper Pompier, Gardu, Uga Benjuromatinti. Comme Roma Fari, Ijigri Kafari, ni Jigibigla, Srasike, Atesira. Mais Sramena de Nijiginama Jigini, Ajigini Populationi, Amainafe, Alibi, Akadjamani, Akarme, Akademe. Bamananko, Uniga Ulujufa, Dotabiki. Kochamayansro, Kateme, Akera. Sabla daka en bogori frère sabla daka domu ka barake kanya nante fe dimika dwana nante fe anga moluya nante fe en kumashulu franka koke kombe monobana franka koke kombe malion lakana kula kishi. Ainsi fut levé le voile sur cette visite mémorable très spéciale du colonel Goïta dans la capitale de l'or blanc. Enfin, l'histoire retiendra qu'une transition malienne a pu mettre le monde paysan sur pied, tout en redorant le blason des Mali leaders dans la production agricole. En espérant que cela soit le cas dans tous les domaines où le Mali aura une place à revendiquer, prendre ou consolider. Enfin, comme vient de le faire le monde paysan, chaque citoyen doit à son niveau pleinement jouer sa partition pour que le Mali puisse sortir sa tête très haute.